qui est bien connu, hein. Parce que d'habitude, il roule en... Il va toujours rouler, en Porsche. 928, tu as toujours ta Porsche, rassure-moi. Oui, je l'ai toujours, mais c'est pour rouler à 2013. Et à ma connaissance, d'ailleurs, tu n'as que celle-là. Oui, je fais celle-là, mais j'avais vraiment envie d'avoir une ancienne. Qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ça? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Je sais pas, le look, la robustesse, l'intérieur qui est sympa, l'ancienne. Alors ça, c'est vrai que les Volvo, c'est costaud. Hein. Ça arrive, t'entends? Ouais. Volvo, c'est costaud. Volvo, c'est costaud. Voilà. Et c'est vrai que là, on est sur la première génération de Volvo, hein, pratiquement. Alors, il y a eu quelques Volvo avant-guerre, mais oui. Celle-là, c'est la conception pendant la guerre. Ouais. Pendant les années 44, 45, sorti 47. Premier modèle sorti en 47. Et la tienne est de quelle année? 51. Elle est de 1951. Vous vous rendez compte? 1951. Et comment elle est arrivée jusqu'à toi? Il y a sûrement une histoire derrière tout ça. Elle est française, cette voiture? Non, elle vient de Suède. Comme c'est le même propriétaire que la Toyota Corolla que Eric a acheté en Suède. C'est pas vrai. À Gustave. Gustave Widick. Gustave Widick. Ah, ça, c'est bien suédois quand même. Hein. Voilà, c'est un gros collectionneur. Et donc, chercher une suédoise, il en a plein. Donc, une voiture, hein, en voiture suédoise, bien sûr. Et donc, il m'a trouvé une vieille suédoise. Une vieille suédoise. Et dis donc, tu l'as été à la voir là-bas ou tu l'as acheté comme ça sur photo? Non, je l'ai acheté sur photo. Comme Eric avait déjà été là-bas, il connaissait déjà le parc de voitures et le bonhomme, donc j'ai acheté sur confiance. Confiance. Alors, est-ce qu'on peut te demander le prix que ça vaut, ce genre de voiture? Moi, j'ai aucune idée. 14 000 euros. 14 000 euros, d'accord. Et c'est la cote? Oui, c'est la cote. Hein, pour aller plutôt... bien conservé pour son âge. Alors c'est une 444, hein, c'est marqué sur le capot. Regardez, il y a 3 4. Moi je connaissais le modèle suivant, la 544. C'est une question de cylindrée, je crois. Hein, ça, c'est un petit moteur. Oui, alors la 444, donc c'est pare-brise sur deux parties, l'avant et à l'arrière, et le moteur B14. La dernière, c'est 1400 cm3, et B16 pour les dernières dans les années 55. Le chiffre correspond à la cylindrée, vous avez bien compris. Hein, 1600, ensuite on arrive après 1800. 1800, et le B1800 Volvo qu'on a connu jusqu'en 1965. Et les moteurs Volvo, je vous assure, de cette époque-là, c'est incroyable. Vous faites des milliers de kilomètres avec. Incroyable. Pour le moment, elle n'a que 99 000 km. Oh. Pour le moment, c'est là. Oh bah, il y aura beaucoup plus loin que toi. Oui, j'espère. Bon, alors c'est une voiture. Alors d'abord, je vois qu'il n'y a que deux portes. Elles ont toutes deux portes ou il y a quatre portes? Il n'y a que deux portes. Par contre, il y a la Duette en break. Ah oui, il y a la break. La PV 445 Duette. Duette, d'accord. C'est encore plus rare, je pense. Oui, ouais, impossible. D'accord. Ah, dis donc, la couleur, parce que tu as le choix, elle est noire. C'est d'origine? Non, elle est repeinte parce que la couleur d'origine est à l'intérieur en bleu gris souris. On peut ouvrir? Oui. On voit très bien la couleur intérieure. Ah, je vais laisser. Voilà. On voit très bien la couleur d'origine. Donc, gris pétrole, on va dire ça. Hein, gris pétrole. Puisqu'on est à l'intérieur, dites donc, qui c'est qui veut s'asseoir dans cette Volvo? Qui c'est qui veut s'asseoir dans cette Volvo? Non, personne? Monsieur, allez, venez, monsieur. Aujourd'hui, c'est la nouvelle année, on fait participer le public. Voilà. Alors, dites-moi, comment on est installé là-dedans? Pas trop mal, pour... Ouais, ça va. Bon, vous pouvez ouvrir l'autre côté, hein, la porte, hein, je pense, elle est ouverte. Alors, tiens, ben, moi, je vais aller de l'autre côté, moi. C'est ouvert de l'autre côté? Non, il faut lever le... Tu lèves le levier vers le haut. Voilà, c'est bon. Les portes sont assez grandes. Je vais mettre un peu plus grand. On entend là, c'est bon. Oh là 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 là. Donc, des petits cadrans carrés. Alors, voyons le tableau de bord déjà, tout chromé. Avec tous les voyants. Avec, oui, quatre. Enfin, tous les voyants, tous les manos, pardon. Tous les manos, j'ai des petites, ouais. Des petites aiguilles. Ça me rappelle un peu certains compteurs Mercedes d'une certaine époque. Hein, sur les. Ouais, ici. Première Mercedes ponton avec ce style de tableau de bord. Oui, on va dire un compteur à oreilles, un compteur avec des oreilles, voilà, en plus grand, et avec une bande chromée.
hein, ça va être l'Inox peut-être. Un compteur qui affiche 150, je ne sais pas. 150 km/h, je ne suis pas sûr que ça monte à 150. 115. Combien ? 115 km/h. Avec le vent dans le dos maximum. Voilà. Le levier de vitesse, il est long comme un jour sans pain. Il est directement sur la boîte. Hein. La boîte c'est pour est ça, en fait. Il est directement pris sur la boîte. Ouais, et ça va très bien. Hein. Ça passe tout seul. 3 vitesses, 4 vitesses ? 3 vitesses, première non synchronisée. Waouh ! Après, ils l'ont sorti en boîte 4. Elle existait en boîte 4 en option. Pour les modèles suivants, en option. D'accord. Ici, on prend la boîte à gants. Hein, je peux appuyer. Voilà, profond. Ici, on pourrait peut-être mettre un autoradio, je ne sais pas, peut-être prévu. Et le petit cendrier qui va bien, regardez. Et le pare-brise en deux parties. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on ne savait pas faire les pare-brise d'un seul tenant. Après, ça viendra. Le klaxon. Klaxon de volant. Il ne marche pas. Il ne marche pas, mais il est très beau quand même. Le petit rétro qui va bien. Le ciel de toit capitonné, c'est beau tout ça. Hein ? Les sièges ont l'air confortables, bien conservés comme nous. Ah, comme bon sort et mousse. Et je pense que c'est le chauffage que j'ai fait. Ah, regardez le chauffage. Ah, ça, c'est typique. Regardez le chauffage orientable, sous-orienté comme vous voulez. Et regardez ça. Ça, c'est original, ça. Hein, on voit que c'est rapporté peut-être parce que les premiers modèles n'en avaient pas, mais c'est très très original ce petit chauffage. Des tirettes qui ont été rapportées, on voit bien sur une petite platine. Et là, on a un starter. Voilà, et à côté, lumière, les phares. Voilà. Et bien sûr, la poignée de porte avec la manivelle de vitre. Le petit déflecteur qui va bien sur tous les modèles de cette époque-là. On est vraiment bien à bord. C'est chaleureux. À l'arrière, on a même des accoudoirs pour les passagers, regardez. Avec les cendriers en boue. Regardez les cendriers en boue d'accoudoirs chromés. Ça, c'est mignon. Et la petite lunette arrière aussi en deux parties. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment super. Ah non, puis ça, hein, fait... J'ai un vieux tracteur du grand-père, mais c'est déjà ça. Je partirai bien en Suède là, tout de suite. Hein ? On va à Stockholm. Bon, merci d'avoir présenté avec moi cet intérieur. Et on va découvrir le moteur alors. Ou le coffre à l'arrière. Ah bon. Donc regardez cette arrière, tout en arrondi. Ça peut rappeler d'ailleurs les fonds de l'époque, hein, comme les 203. Hein, c'est arrondi. Et on a la roue de secours protégée par un cache. Oui, c'est d'origine, hein, c'est comme ça. C'est d'origine. Les suivants auront la roue de secours en latéral sur le côté avec le réservoir légèrement décalé. D'accord. Et on peut en mettre pas mal de bagages, regarde. Ouais, c'est assez quand même impressionnant. J'aime beaucoup aussi le pare-choc, assez massif. Et ça, les Volvo ont toujours eu des pare-chocs massifs. Celui-ci est chromé avec ce petit éclairage de plaque très esthétique. Hein, ça rappelle un peu un avion. Regardez. Et ça s'allume. Hein. Regardez, on dirait un petit avion avec les ailes. Un avion d'époque. C'est vraiment... et ça s'allume, bien sûr, pour en dessous, pour éclairer. Ce feu rouge à l'arrière. Il s'allume aussi. Il sert à quoi ? Il s'allume aussi, aussi, d'accord. Ouais. Les petits feux d'angle sont vraiment mignons aussi. Pas très voyants peut-être, mais assez mignons. Et puis c'est Volvo, quoi. Bah, on a une poignée pour ouvrir. C'est du costaud. Volvo 440. Voilà. Alors, en timing, on va voir le moteur et je te laisse après. Hein, et dernière chose à mon moteur, ça c'est quoi? Clignotant sur le toit. Et c'est d'origine. C'est une voiture de police. En fait, il peut y avoir un mètre de neige, on verra toujours les clignotants. C'est incroyable. Donc, je vais sur le moteur. Regardez le V stylisé. Le V stylisé de Volvo. Alors, le capot est souvent dans le bon sens. Alors, le moteur est bien connu, c'est le même bloc qu'on retrouve après sur d'autres Volvo. Hein, le fameux B. Non, qui est sorti en plusieurs cylindrés. Là, c'est un 1400. B14, oui. Voilà. Il passera ensuite à 1600, à 1800, sur la 544 après. Ouais. 1800 et voire 2 litres sur la Maison.
Alors, la voiture, elle a combien de kilomètres, tu le sais, non? 99 000. Tu me l'as dit tout à l'heure. 99 000. T'es presque à 100 000. Presque à 100 000. Et là, t'es tranquille pendant 2 ou 3 décennies. Hein. Ouais, j'espère. Et à conduire. Attends. À conduire, ça se comporte comment? Alors, c'est une voiture de 51, je sais bien. Mais ça se comporte comment? Bah, c'est un peu surprenant au départ, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes sensations qu'une voiture moderne. Mais c'est rustique. C'est rustique, ça louvoie un petit peu sur la route, mais ouais, bon, après c'est sympa. La direction, mais ça va bien. Hein. Les suspensions. Là, très, très confortable. Ouais. Vraiment très confortable. Tenue de route, je ne sais pas encore. Ça fait 3 semaines que je l'ai, donc je ne sais pas encore. Ça fait que 3 semaines que tu l'as. Ouais. Bon, on va te laisser repartir. Je sais que tu as un timing assez serré. Vous pouvez l'applaudir, hein, messieurs, dames. Merci. Merci à lui et à son complice, là. Voilà, qui a dû. Eric, qui m'a trouvé. Qui avait acheté lui-même sa voiture, qui est là derrière moi, en Suède aussi. Et c'est vraiment des grands malades, hein, quand même, pour acheter des voitures si loin. Mais bon, c'est fabuleux quand tu vois le résultat, quand même. J'ai récupéré ça. Vraiment une super voiture.